Donc, on commence cet après-midi avec Michael Guéchard, qui est chercheur au CNRS, directeur... Aux études. Ah non, c'est, je suis pas au CNRS, c'est les PHE. Voilà, directeur... CNRS, mais... Alors, c'est une faute commise par Sassa. Donc, directeur d'études à l'école pratique des études... Enfin, je ne l'ai pas dit, en tout cas. ...dans la section des sciences historiques et topographiques. Sa présentation aujourd'hui porte sur les villes, leur topographie et leurs institutions en Mésopotamie dans le courant du troisième millénaire, d'après les textes. Merci. Tout d'abord, évidemment, je voudrais vivement remercier Saosan Lakar et Suzanne Dibault pour m'avoir invité. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec mes collègues archéologues. Alors, je détonne un peu puisque je vais surtout parler de textes et dire des choses qui ne sont pas forcément très, très originales, mais au moins, j'espère qu'elles seront intéressantes. Tout d'abord, je voudrais commencer par citer deux petits textes bien différents en sumérien pour introduire mon propos. Le premier est un proverbe tiré des instructions de Churupac, et il nous dit ceci, ce proverbe: « Il ne bâtit pas sa maison comme un homme, il ne bâtit pas sa ville comme un homme ». Le deuxième texte que j'ai mis en vis-à-vis est un extrait d'une note administrative dans un texte de l'époque d'Ourtrois, la fin du troisième millénaire. Et c'est un texte tout à fait banal. Et celui-ci nous dit: lorsque le courrier du sire de Marachi a fait le tour de la ville. C'est un texte qui est daté de l'année 5 du roi Amarsine. Alors, ces deux documents illustrent mon projet qui est de croiser deux types de sources tout à fait différentes. D'une part, la documentation littéraire, représentée ici par cet extrait des instructions de Churupac, avec les documents administratifs, ici représentés par ce petit extrait d'un texte d'Ourtrois. Alors le proverbe, lui, évoque un homme ou des gens qui n'édifient pas leur maison ou leur ville comme il faut. Mais quelle est cette norme que présuppose le proverbe? Qu'est-ce que c'est que construire comme un homme? Qu'est-ce que c'est que construire une ville comme un homme? Est-ce que les textes disposent d'informations pour répondre à cette question? Le deuxième texte nous dit qu'en l'an 5 d'Amarsine, c'est-à-dire à peu près vers 2030 avant notre ère, un messager d'un puissant allié, qui est pays situé dans le lointain Iran, dans la région, probablement dans la région de Kerman, fait le tour d'une ville de Sumer. Est-ce que c'est une visite touristique ou c'est une course? Le texte n'est pas limpide. En tout cas, cet homme venait d'une ère culturelle différente. Et on peut s'interroger sur l'impression qu'il a pu avoir en faisant le tour de cette ville, qui est peut-être, en l'occurrence, Issine. Évidemment, nous ne le saurons jamais, et nous pouvons regretter de ne pas avoir son rapport, un rapport qu'il a sûrement fait à son seigneur lorsqu'il est revenu dans le Marachi. Nous sommes un peu... dans la situation que Jean-Claude Margueron a présentée dans son beau livre appelé les cités invisibles, effectivement, pour les épigraphistes, d'une certaine façon comme pour les archéologues, mais pas de la même manière, les villes sont des objets invisibles. Et nous les abordons ici avec les textes, sources immatérielles. Alors j'ai choisi d'aborder le sujet de la ville à partir
d'un document particulier afin qu'il serve d'exemple et que j'ai trouvé, que je trouve particulièrement bienvenu dans les circonstances. Je vais le présenter dans un instant. J'aborde le troisième millénaire depuis d'abord le deuxième millénaire. Je suis plutôt un spécialiste des textes du deuxième millénaire. J'ai d'ailleurs failli refuser l'invitation. Mais finalement, l'idée de participer, de rencontrer mes collègues archéologues a aussi été finalement une motivation supplémentaire. Et j'ai accepté donc ce challenge. Mais comment justifier justement ce choix, cette décision? Alors, heureusement, les textes du deuxième millénaire comportent une collection très importante et bien connue de textes littéraires qui ont été retrouvés pour la plupart dans des maisons et qui sont un héritage du troisième millénaire. Certains de ces textes beaucoup de ces textes sont bien connus et il n'est pas la peine de les présenter, mais les manuscrits datent à peu près de 1800 à 1600, mais pour une partie d'entre eux, ils remontent à des traditions parfois bien plus anciennes. C'est le cas des instructions de Churupac, puisqu'il remonte au moins au milieu du troisième millénaire. D'autres sont probablement beaucoup plus récents, mais datent quand même du troisième millénaire. Évidemment, quand nous abordons ces textes, nous abordons surtout ces textes à partir de leur milieu, du milieu qui les a reçus, c'est-à-dire celui de l'époque du paléo-babylonienne ou encore dite époque amorite, époque assez différente finalement du millénaire précédent. Alors c'est donc un double aspect qui apparaît, à la fois des documents qui ont été transmis jusqu'au début du deuxième millénaire, mais qui sont quelque part des représentations qui sont l'œuvre d'auteur du troisième millénaire. Évidemment, la chaîne de transmission nous est la plupart du temps inconnue. Nous ne savons pas dans quelle mesure ces œuvres ont été altérées. Dans certains cas, on peut supposer que les altérations sont importantes, mais il est très difficile, voire impossible parfois, de les évaluer. Dans d'autres cas, la transmission semble extrêmement fiable et, d'une manière très étonnante, certaines œuvres restent inchangées pendant plusieurs siècles. Ainsi, il ne peut pas y avoir une réponse simple pour l'ensemble de ce corpus. On ne peut pas, sous le prétexte que les manuscrits datent du deuxième millénaire, le rejeter comme inutile ou peu opportun lorsqu'on parle du monde du troisième millénaire. Alors, une des œuvres les plus remarquables et que je trouve intéressant de présenter, qui est bien connue, est La malédiction sur Akkad. Alors, c'est une œuvre qui a été éditée par Harold Cooper en 1983 et plus récemment, Pascal Attingre a donné une traduction, assez rigoureuse et basée sur de nouveaux manuscrits inédits. Alors, même si la plupart des manuscrits sont paléo-babyloniens, c'est une œuvre qui a certainement été composée à la fin du troisième millénaire, sans doute par un habitant de Sumer. Habitait-il Nippur ou bien Ur ou ailleurs, nous ne le savons pas. On peut le situer entre 2100 et 2000. Nous ne savons rien de même sur, à part quelques manuscrits, un ou deux manuscrits qui sont très anciens. Nous ne savons pas exactement comment, sous quelle forme exactement, comment s'est produit la chaîne de transmission et à quel point la tradition que nous avons aujourd'hui, le document que nous avons aujourd'hui, est proche, très éloigné de son original, mais on peut penser qu'il est quand même malgré tout proche, malgré un certain nombre de variations. Mais dans ce genre d'approche, évidemment, parfois le détail est important. Alors ce choix, pourquoi ce choix? Je vais présenter cette œuvre que vous connaissez évidemment. Ce récit décrit, alors
la, il y a une dimension de récit. Ce n'est pas un récit, c'est un poème, mais l'introduction commence par une forme de récit qui nous présente l'extraordinaire développement de la ville d'Akkad à l'époque de Sargon et de Naram-Sin. Donc nous sommes évidemment là en plein dans le troisième millénaire. Et donc c'est cette vision que je vais vous présenter en la complétant d'un certain nombre d'autres textes qui sont littéraires ou tirés des documents de la pratique. Donc je vais présenter le texte et je vais faire une lecture à partir d'une édition personnelle. Et puis, je vais aborder seulement quelques aspects, puisque le temps, évidemment, est compté. Et je voulais parler d'un dernier point. On verra en fonction du temps. Donc, tout d'abord, la malédiction sur Akkad, le récit d'une ville qui s'est développée trop vite. Donc, je me permets de lire ce document pour qu'il soit, pour vous le rappeler, et évidemment, à partir d'interprétations qui sont plus personnelles. Ce jour-là, la brillante Inanna construisit de bout en bout le sanctuaire d'Akkad, destiné à être son principal génécée. Elle y fit dresser le trône dans l'Ulmash, c'est le nom de son temple à Akkad, comme un tout jeune homme qui construit une maison à neuf, comme le jeune fiancé qui installe un génécée, la brillante Inanna ne dormit plus afin de faire parvenir toute chose dans les celliers, de donner des demeures bien fondées à la ville, de donner à manger à la population une nourriture de qualité, de permettre à la population de boire une eau de qualité, de remplir de joie les cours de personnes faisant leurs ablutions, et afin que la population soit en liesse à l'endroit de la fête, que les citadins mangent ensemble, que ceux de l'extérieur, tels des oiseaux inconnus, tournoient dans le ciel, que le pays de Marashi reviennent sur la liste des tributaires et que les singes, les éléphants, les buffles d'eau, les animaux sauvages des contrées exotiques caracolent ensemble au milieu de la grande rue. Et en plus, des chiens de race, des fauves, des ibex, des montagnes, des moutons à grosse queue couverts de toisons. Alors cette partie, c'est presque le tout début du poème et le poème nous a indiqué que ces événements se situe sous le règne de Sargon. Donc tout va bien, et les deux autres extraits que je vais lire sont la suite et illustrent ce développement, complètent cette vision. Ce jour-là, elle remplit d'or les réserves de farine dans Akkad, elle remplit d'argent les réserves de farine blanche, elle approvisionna ses greniers à orge de cuivre, d'étain et de blocs de lazulite. Ses silos furent bouchés de manière étanche, et tandis que ces anciennes avaient été dotées d'un esprit avisé, ces anciens étaient dotés de l'art de la rhétorique. Les jeunes filles étaient douées pour la danse, et les garçons étaient rendus habiles au combat. La gaieté était le lot des tout-petits, les nourrices qui bercent les enfants des gouverneurs les distrayaient avec un tambourin. Quant à la ville, à l'intérieur, ce n'était que son de harpe, à l'extérieur, flûte et percussion, le quai, où Samar, les bateaux, étaient un joyeux brouhaha. Les pays du monde étaient tranquilles dans les pâturages et leur population voyait le bon côté des choses. Nous sommes encore à l'époque de Sargon. Et puis, ici, un changement est indiqué. Le roi, le pasteur, Naram-Sin, monta tel le soleil sur le trône sacré d'Akkad. Ses remparts touchait le ciel comme une montagne. La brillante Inanna ouvrit sa grande porte, aussi large que le tigre qui se rend à la mer. Les marchandises se faisaient aller d'elles-mêmes de Sumer. L'amorite des collines qui ne connaît pas la culture de l'orge se présentait, elle, avec des bœufs et des capridés, sans aucun défaut. Le Melouréen, homme des contrées noires, faisait monter bien des produits étranges. Les lames et le soubir se surchargeaient de biens tels des ânes de bât. Tous les gouverneurs et les administrateurs des temples, les chefs de cadastre de Guédéna, arrangeaient les offrandes mensuelles et celles de la fin d'année. Voilà pour l'extrait que j'ai choisi. Alors,
Si on retire de ces débuts tout le vocabulaire, on s'aperçoit qu'on a une description assez riche de la cité. Et donc ici, j'ai essayé de rassembler ce vocabulaire et je vais commenter quelques aspects dans la suite. D'abord, la ville est tout simplement appelée Uru et on parle de son intérieur, Uru Chatroi et la façon de l'appeler l'intérieur. Je reviendrai sur ce terme et sur sa variante. C'est en gros, on peut traduire ça par le centre-ville. Il y a aussi la question de l'extérieur, qui renvoie aussi à la notion de Urubar, et qu'on peut traduire par faubourg. Ce n'est pas une très bonne traduction, mais je n'ai pas trouvé mieux. Car, que nous avons vu, désigne le quartier du port, et effectivement, est d'après l'œuvre, nommément situé à l'extérieur. Bad, la muraille, et puis associé à cette notion de muraille, Aboula, qui en sumérien signifie la grande porte. Des édifices sont aussi mentionnés. En premier lieu, évidemment, le sanctuaire d'Akkad. Le nom de ce sanctuaire, comme je l'ai dit, c'est Lulmash, et il est plus précisément désigné comme Amar-Mar, c'est-à-dire la maison, les appartements privés sublimes ou grandioses ou élevés de la déesse. Donc c'est une façon de désigner le temple d'Inanna. On y évoque à ce propos le trône, elle y a son siège. Donc elle exerce son gouvernement, si je puis dire, depuis ce lieu. On évoque aussi le Kug Agadé, qui, Bara signifie ici podium, est une référence aussi au trône, mais manifestement il s'agit d'autre chose que du Gijouza, et le contexte montre qu'il s'agit du trône royal. C'est la seule allusion à l'édifice royal. Il est associé au Lugal Sipa, qui est deux façons de désigner le roi. Lugal, c'est le roi, et Sipa, le pasteur. Il y a aussi beaucoup une certaine insistance dans le texte sur les zones de réserve. D'abord, deux termes qui sont relativement rares et difficiles, Edeziz et Edeziz Babar. Les trois autres, par contre, sont bien connus. Ararché désigne un grenier, Gourset, on peut le traduire par silo, et Enig-Gour désigne toute forme de réserve, notamment dans les maisons, c'est la zone de cellier. Les habitations également portent plusieurs noms. D'abord, un nom plutôt littéraire qui est Dur-Kigar, les demeures fondées ou bien fondées. Et deux, le terme plus classique pour la maison. Plus loin, le poème parle de Kitouj-Ginadoudis, de belles et solides demeures pour décrire les maisons d'Akkad. Notons qu'à propos de la construction de la maison par le jeune homme, le jeune marié, on précise qu'il ou son épouse, c'est pas très clair, aménage le Hama, qui en fait est une référence au Hama-Mar, c'est-à-dire le gynécée sublime d'Inanna, et ici on a l'équivalent dans le monde privé, donc ça fait référence aux parties privées, sans doute la partie réservée spécifiquement entre les jeunes filles, ce qui est confirmé par un passage ultérieur de la malédiction sur Agadé, qui associe directement cette partie de la maison à la jeune fille. On nous dit comme une jeune fille qui serait abandonnée dans le gynécée ou dans la partie privée, dans les parties privées. Les habitants de la ville, alors il y a aussi de nombreuses indications, enfin tout un monde qui est révélé par ce poème, ce court poème. La mention évidemment d'Inanna, qui est la première habitante, elle apparaît à la fois chronologiquement et elle est aussi sur le plan évidemment hiérarchique. Le roi, dont la présence est quand même plus discrète, et puis les fonctionnaires, le Shagina, les Ensi, les grands prêtres, et puis un type de fonctionnaires, qui sont des fonctionnaires, un type de tout ce personnel est bien connu d'ailleurs des textes administratifs de l'époque, notamment d'Ur III, enfin de la fin du troisième millénaire. Sur le plan du peuple, enfin
les habitants plus modestes, il y a les jeunes hommes, et puis plusieurs termes pour désigner la population de la ville. On emploie le terme de sag, qui signifie individu, mais qui est aussi le sens d'esclave, et donc il y a sans doute une relation entre les deux. Donc il est difficile de savoir exactement le sens donc dans lequel il est employé, mais avec, il y a sûrement une connotation de serviteur. Les oug, qui sont évidemment les gens, le peuple, la population. Et de choses très intéressantes, le terme de l'oude ourou, qui est littéralement l'homme de la ville, et qui désigne manifestement les citoyens, donc qui est l'équivalent de oug, mais avec un sens plus spécifique, pas opposé dans le texte au loup de Bara, ceux qui sont à l'extérieur. Le sumérien connaît un terme pour étranger, et ce n'est pas le terme usuel. Donc loup de Bara, littéralement, semble vouloir dire l'étranger, celui qui est en dehors de la ville, et non pas simplement l'étranger, c'est-à-dire celui qui vient d'un autre pays. Donc ici, le terme est relativement rare et précis. Alors, il y a également d'autres catégories, telles que les anciens, avec la mention des anciens, ce qui est très intéressante, et les jeunes, donc une catégorie finalement assez classique, anciens, la population active est appelée qu'ici les gourouches, et puis la mention des enfants et une évocation plus particulière, peut-être plus anecdotique, de la nourrice. Ici, il y a une précision qui reste assez mystérieuse et qui m'échappe, qui fait allusion à quelque chose que je ne comprends pas, je l'avoue. Ce sont des... Elle s'occupe spécialement des enfants de gouverneurs. Alors, complément de cette présentation très optimiste, puisque ce panorama est positif, alors le récit s'appelle « La malédiction sur Agadé », c'est précisément que les choses vont mal se passer. En réalité, Inanna, après ce succès incroyable, se détourne d'Akkad, elle se dégoûte de son œuvre, et ça se passe sous le règne de Naram-Sin. Celui-ci n'accepte pas ce retournement divin et se venge en détruisant le sanctuaire de Nippur, ville qui est placée en vis-à-vis d'Akkad, et suit l'essentiel du texte, qui est la description de la vengeance divine, et le texte termine par l'annonce de la destruction définitive et la disparition d'Akkad. Il y a, dans la partie négative, qui est trop longue pour évidemment que je l'intègre, il y a des compléments justement au paysage urbain dont il faut tenir compte. D'abord, la mention d'un marché, le Gamba Ourou, le marché de la ville. Et ce qui est dit est très intéressant, puisque le texte nous dit, je ne vais donner qu'un extrait, alors, donc on est dans la phase difficile, l'orge valait un cycle le demi-sila. Telles étaient les transactions sur les marchés ou le marché de la ville. Alors j'ai simplement indiqué, en me servant d'un article de Milano, qui a étudié la question des fluctuations des primes, qu'à la fin de l'Empire d'Akkad, le prix moyen de l'orge était de 1 cycle pour 300 sila. Mais il a observé dans ses textes que ça pouvait descendre très très bas, mais en fait, on n'atteint jamais les prix annoncés dans la malédiction, ce qui montre qu'on est plus dans le topos et non pas dans la reconstitution historique telle que on la conçoit aujourd'hui. Néanmoins, le fait est que les fluctuations ont pu descendre le prix a pu monter a pu être vertigineux donc à la fin de la. Autre complément, c'est concernant les classes sociales, un élément très important qui n'est, de manière très intéressante, pas intégré dans la partie, disons, idéale, la partie optimiste. On parle plusieurs reprises des Dumu Gisset, qui sont des hommes libres, des citoyens, des aristocrates. On traduit aussi généralement par sumérien, toutes ces notions se combinent. Ça désigne en fait les membres de l'élite. Il y a un passage de la lamentation qui précise et qui nous donne un peu justement une vision assez vivante de cette aristocratie, et ils se caractérisent par le fait qu'ils sont habitués à manger la bonne chair. Mais aussi, on parle dans cette partie-là des pauvres qui ne sont pas du tout mentionnés dans la première partie optimiste,
Là, on nous dit « Ton pauvre, qui compte comme seule richesse ses enfants, se laissera noyer ». Et il y a aussi un personnage très important de la société de la urbaine de Sumer, la prostituée ou le prostitué, ta prostituée se pendra à la porte de l'estaminet. Cette catégorie n'est pas mentionnée dans la partie optimiste. Alors, regardons maintenant plus en détail certains aspects de la toponymie urbaine telle qu'elle est présentée, alors notamment dans la malédiction, mais là je vais prendre en compte plus de documents. Tout d'abord, évidemment, le terme pour ville, bien connu en sumérien, est Uru. Alors il y a une variante qui est Uru 2, peu importe. Et la lecture de phonétique de ce mot est difficile, mais probablement dans la langue standard, la prononciation était Eri, Uru étant une variante de la langue des lamentateurs, les messales. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'Uru a 19 homophones dans la langue sumérienne, mais je laisse de côté cette question. Il est évidemment rendu par l'acadien Alou, qui est universellement connu. Alors, si je reviens d'abord, comme en général c'est souvent le cas, les termes sumériens sont compris à partir des termes acadiens. Le terme Alou, qui bien sûr est un terme présent au IIIe millénaire, a été rapproché par von Sondern dans son dictionnaire de l'hébreu Oel, et qui signifie la tente, notamment dans la Genèse, et puis dans d'autres récits, la demeure et même le temple. Et donc on voit que le sens est assez éloigné de celui de ville, mais quand même relié par le fait qu'il signifie qu'il y a l'idée d'habitation. Revenons au texte. Quant au texte de Sumero-Akkadien, une liste lexicale appelée Malkusharu donne, associée à Lou avec tout un vocabulaire très intéressant, nous indique que ville est liée à la notion de territoire habité, mais aussi à la notion de toit, ce qui est en fait assez curieux. En akkadien, le toit, ça se dit Uru, et il y a probablement un jeu de mots avec le sumérien Uru, mais on peut se demander si, en fait, il n'y a pas l'idée du paysage urbain où on voit surtout les toits des maisons. C'est une question qui se pose. Aussi, Kisuru, le territoire avec sa frontière, Marazu, le centre culturel, aussi Durushu, qui signifie la plateforme du temple de la cité, mais également le Naou ou le Namashu, qui constitue la zone pastorale. Ça aussi, c'est lié à la ville. Ça désigne donc la zone autour de la ville, l'Adachu, qui est la ville basse, etc. Autrement dit, le terme akkadien Aloum est susceptible de désigner la ville elle-même et sa zone, la zone qui est sous sa juridiction. Elle peut être elle peut avoir un sens restreint, un sens large. Et on observe que quand on parle dans les textes acadiens de sanctuaire, ça peut s'entendre du sanctuaire ou de la ville en général. Alors, le terme acadien, le terme sumérien, lui, n'est pas nécessairement aussi large. Ne recouvre pas forcément des sens aussi larges. Et donc, il faut ici prendre la documentation sumérienne pour vérifier dans quelle mesure c'est l'équation est parfaite ou non. D'ailleurs, dans les textes administratifs d'Ur 3, la ville peut être associée à un territoire qui peut porter le nom spécifique de Mada, le district. Il y a une très belle définition de Francesco Pomponio sur la ville, qui nous dit que la ville sumérienne, il parle spécifiquement de la ville sumérienne, est un centre, ce qui évidemment pose un problème, parce que qu'est-ce que c'est la ville sumérienne, mais enfin je laisse de côté cette question, est un centre administratif servant une entreprise économique étatique. Alors pour revenir au terme d'Uru,
Comme je le disais, sa valeur phonétique est Iri, Eourou, mais quelle que soit cette lecture, le terme est sans étymologie, et donc reste dans sa signification profonde obscure. Son idéogramme, que vous voyez ici, est lui-même obscur. Des hypothèses peuvent être faites, mais je n'ose pas vous les présenter. Je laisse cela à l'imagination de chacun. Alors, on peut essayer de retrouver le sens d'Ourou par opposition à d'autres termes concurrents, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, car évidemment je m'intéresse plus spécifiquement à Ourou, mais notons que la notion de village et d'Ourou, qui est exprimée par ici la notion d'abord de maison, Majgana, qui est en fait a comme équivalent Namashouk, qui signifie prioritairement le troupeau, mais aussi finalement la population qui vit avec les troupeaux, donc les zones de ferme, et aussi l'Adedam, qui signifie probablement la banlieue et tout son peuplement, enfin Anzagar, la tour, ou éventuellement Zalamgar, la tente. Donc tous ces termes sont des termes qui sont distincts de la ville, et on pourrait dire donc la ville est née et dans son essence tout ce qui n'est pas, enfin est le contraire de l'Edourou, de la Majgana, etc., etc. Ce qui est intéressant dans le cylindre de Goudéa, ce grand récit de construction du temple de Ningirsu à Tello, il nous dit, enfin le poème nous dit, sa ville, il parle de Girsu, construite et ses alentours aménagés. Ce qui est intéressant ici, c'est l'emploi, la distinction d'outrois-gar. D'outrois signifie construire, ériger, et gar signifie simplement poser, suggérant en quelque sorte que la ville est un lieu où on construit en briques, en dur, en solide, c'est des constructions pérennes, et que ce qui caractérise plutôt l'extérieur, ce sont des constructions légères. Évidemment, il s'agit certainement d'une caricature, mais l'idée, en tout cas, est là, et on peut donc par là même cerner certaines idées, en tout cas, qu'ils avaient, la façon dont ils se représentaient le concept d'eau. Alors, d'abord, autre point, il n'y a pas un vocabulaire, on peut être frappé par la pauvreté du vocabulaire sur la ville. Curieux, pour un endroit où la ville est née, on pourrait s'attendre à précisément que pour la ville, on ait plusieurs termes désignant les villes selon leurs fonctions, selon leur importance, leur hiérarchie. Ce n'est pas le cas. Le terme Ourou recouvre en fait un très grand type d'établissement. Il suffit de regarder la toponymie. Il y a les grandes villes que nous connaissons tous, comme Our, Uruk, Girsu, etc., mais aussi de nombreux centres secondaires sont indistinctement qualifiés de Ourou. Néanmoins, il existe des épithètes qui permettent de supposer des distinctions. Ainsi, le terme Ourou-Sag, Ourou, c'est la ville, et Sag signifie la tête. C'est une épithète qui est simplement apposée et qui signifie ville principale, ville majeure. Alors, c'est une expression très rare et notamment qui est attestée dans un texte d'Akkad très intéressant qui décrit un territoire faisant 1600 km² et dont ce rectangle, le texte nous dit qu'il y a 17 villes majeures. Alors, c'est-à-dire une densité de villes assez étonnante. Et pourtant, malgré cela, ces villes, ces 17 villes, sont appelées villes Sag, ce qui indique qu'il ne s'agit pas, donc le Roussag ne signifie pas dans ce cas-là capitale, mais simplement ville qui a une certaine importance. Ce que le texte suggère, donc, qu'il y a plus de villes par logiquement. Ourou-Sag a un autre sens et qui est pour moi beaucoup plus obscur. Il apparaît en fait notamment dans les textes d'Ourtrois et franchement la signification exacte pour l'instant m'échappe, mais ça semble désigner une partie de la ville. J'ai donné quelques exemples, je n'ai pas le temps de développer ici.
D'autres dénominations existent, comme celle de Uru-Ul. Uru, donc toujours la ville, Ul signifie ancien. Certaines villes ont ce titre, et ça semble être un titre honorifique. Notamment dans les listes lexicales tardives, cette épithète est accolée à Sippar, qui est une ville antique. La ville de Toumal est aussi désignée comme ville antique. Le sens n'est pas en fait totalement limpide, car la plupart des grands centres de Sumer pourraient être qualifiés en théorie de Uru-Ul. Est-ce que c'est une référence spécifique à une partie de la ville jugée très ancienne, voire antérieure aux hommes? Je ne sais pas. À opposer à cette notion, la notion de Uru-Gibil, la ville neuve, notion finalement plus intéressante. Il y a peu d'attestations en fait d'Uru-Gibil et peu de cas en fait, à ma connaissance, de ville neuve. Notons d'abord que Akkad, dans le récit, est présenté précisément comme une ville neuve. Et précisément, ici, le poète envisage la chose de manière très négative, puisque précisément, c'est sans doute une des raisons pour laquelle, alors qu'il ne dit pas, pour laquelle Inanna s'est détourné d'Akkad, une des raisons, c'est qu'il s'agit d'une ville neuve, et qu'il y a peut-être une idée implicite que les villes neuves ne peuvent pas avoir la même postérité que les villes houles, les villes anciennes, mais cela reste de l'ordre de l'interprétation. Un exemple de ville neuve est celui de la ville construite par Choussin lorsqu'il a déporté des populations d'Iran et nous a laissé un récit de construction de cette ville neuve. Notre notion est celle de Uru Namlugalla, qui désigne véritablement la capitale, mais la ville qui. La capitale de royaume ou d'empire. Titre qui n'est pas très fréquent, mais qui est notamment attribué à l'époque paléo-babylonienne à Isin, mais qui peut faire penser à d'autres expressions qui peuvent provenir de l'époque antérieure. Et donc j'ai donné quelques exemples avec donc le Our qui est appelé sanctuaire d'Our, trône ou podium de la royauté, ville. Malheureusement, le texte est cassé. Et puis il y a le récit, le mythe du mariage de Martou qui évoque une ville mythique, Einab. Et on nous dit que parmi toutes les villes, Uru-Uru, parmi toutes les villes, c'était la montagne de la seigneurie, c'était la grande principauté. Les villes, la notion de ville sainte, aussi une notion très importante. Et puis l'Urukuga, qui en revanche ici est un terme spécifique, notamment désignant le cœur sacré de Girsu. Alors, ce autre aspect, on s'approche cette fois-ci du cœur de la ville, deux notions sont opposées, l'Urushatroi et l'Uruba. L'Uruba est en fait une des notions les plus, à mon avis, les plus intéressantes. L'Urushatroi, c'est le centre-ville. Je vais donc là être plus rapide en citant ce passage de la malédiction sur Agadé qui donne un aperçu de la façon dont cet Urushatroi, ce cœur de la ville est perçu. L'intérieur de la ville, donc on est dans la phase de malédiction, l'intérieur de la ville, sans se confondre encore avec la vaste steppe ouverte, était couverte de terre en friche. Ici, il y a l'idée que le cœur de la ville est évidemment le cœur bâti, le cœur où il y a la densité, la grande densité, l'habitat peut-être compact. Et précisément, la pire des malédictions qui puissent arriver, c'est que la campagne, finalement, entre dans cette ville. Elle était déjà peut-être présente d'une manière ou d'une autre par le biais de vergers, mais désormais, ce n'est que maison en ruine, terrain abandonné. Donc c'est un simple aperçu de la ville intérieure. Je vais m'intéresser plus à l'Urubar, qui est soit Urubar, soit Baruru, peu importe. C'est une notion que l'on retrouve évoquée dans la malédiction sur Agadé, mais de manière très allusive. Et pour en savoir plus, il faut
consulter à la fois plusieurs d'autres textes littéraires et les textes économiques qui nous donnent des informations très ponctuelles sur ce dont il s'agit. Donc c'est évidemment ce qui est à l'extérieur de la ville, et plus exactement à l'extérieur de la ville, de l'intérieur de la ville, du centre-ville. Donc on est encore dans la ville, mais dans une partie secondaire, disons, de la ville, dans la ceinture, dans une ceinture qu'on peut appeler faubourg. Alors il y a une expression qui est très intéressante qu'on trouve dans un texte d'Uma de la fin du troisième millénaire et qui nous dit, ça concerne des différents sanctuaires qui se trouvent à l'intérieur d'Uma et à l'intérieur de l'Uruba. Alors les premiers éditeurs ont hésité, ils ont pensé que Uruba était éventuellement un lieu-dit, un toponyme. En fait, il s'agit véritablement d'une désignation de la périphérie de la ville d'Uma. Une autre expression complémentaire et qui nous donne une information sur le type de population, le Dumuzi, qui est le dieu des pasteurs, est qualifié dans un hymne de frère des habitants des faubourgs, ce qui indique qu'ils ont un rapport avec l'activité pastorale. Donc on peut imaginer qu'on trouve là des bergeries, des pasteurs, mais qui vivent quand même très proches du centre urbain. Un proverbe, toujours tiré des instructions sur Opa, qui est fondamental, car il nous dit « Les maisons des faubourgs maintiennent le cœur de la ville. » C'est encore la mention ici de l'Uruba, qui nous apprend que c'est un lieu qui est habité et qui est en fait lié à la ville et qui est la zone économique fondamentale de la ville, sans quoi la ville n'existerait pas. Donc ce proverbe est vraiment très intéressant. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la version ancienne était différente, mais je n'ai pas le temps de revenir sur ce point, pourquoi c'est différent. Ce serait un sujet intéressant à étudier. Une autre notion connexe est celle d'Uruda. Uru, la ville, et Da signifie « à côté ». Cette notion apparaît une seule fois dans le mariage de Martou. Je rappelle que le mariage de Martou est l'histoire d'un dieu qui est le dieu des Amorites et qui vit à la périphérie de la ville d'Inab avec les pasteurs, des êtres qui sont présentés comme semi-barbares, et il se rend dans la ville pour épouser la fille du roi local. Et alors les gens avec qui il vit sont appelés les Uruda aînés, c'est ceux de la périphérie. Ces gens de la périphérie sont précisément, ce livre essentiellement d'après ce récit, à l'activité pastorale. Le terme lui-même est totalement isolé, mais il peut être approché d'expressions qu'on trouve encore une fois dans les textes administratifs qui évoquent le Da Uruka, la bordure de la ville. Et il y a des champs et également des bergers qui vivent dans cette zone-là. Il s'agit peut-être donc d'un terme presque, avec quasiment le même sens que Uruba. Tout ça illustre la dépendance et les liens étroits qu'il y a entre la ville et la campagne, ce qui a été bien illustré par d'autres, bien montré par d'autres chercheurs, bien sûr avant moi. Mais donc ici, c'est cet aspect, cette complémentarité, et bien illustré. J'ajouterais que ces textes mentionnant l'occurrence d'Uruda dans le mariage de Martou a une légère connotation négative. Uruda, qui semble en fait une expression forgée à partir d'Auru, semble être un jeu de mots sur serviteur, parce que Uruda signifie aussi serviteur, et donc implicitement l'auteur suggère qu'ils sont au service de la ville, qu'ils sont inférieurs à la ville ou qu'ils sont, voilà, ils ont un rang un peu inférieur. Mais précisément le récit est original dans le sens où Martou va conquérir en quelque sorte la fille du roi de la cité, ce qui peut-être effectivement représente un exemple d'intégration, un mythe qui évoque comment la campagne en quelque sorte trouve sa place dans la ville à une époque qui est peut-être l'époque de transition entre le monde du troisième millénaire et celui du deuxième. C'est fini ? Ah là là, ça passe très vite. Alors ben voilà, donc je suis trop bavard et je peux quand même faire ma conclusion. Voilà, je ferai ma conclusion en parlant d'un aspect
qui a été évoqué par Pascal Buterlin et aussi ensuite après, et sur lequel j'aurais beaucoup de questions, qui est celui de la place publique ou de la rue, parce que précisément ce qui est montré dans la malédiction sur Agadez, c'est que la grande rue joue un rôle très important, elle est particulièrement bien mise en valeur, et elle semble ici être présentée comme quelque chose d'emblématique de la ville. Alors, pas n'importe quelle ville, en l'occurrence, puisque c'est Agade, la capitale, et effectivement, on y voit caracoler des animaux qui sont les tribus, en fait, du souverain, de Sargon, et, en l'occurrence, et qui donc illustre aussi son lien avec le pouvoir royal. Donc je termine par cette idée que dans la représentation de la ville pour les Sumériens, la grande rue est certainement quelque chose d'emblématique, et donc c'est aussi un thème littéraire puisqu'elle est souvent mentionnée, c'est un lieu d'activité sociale, de jeu et de rencontre. Je vous remercie. Je n'ai pas terminé. Donc, pour une prochaine fois, peut-être. Merci pour cette présentation très riche et qui complète notre formation sur les villes. Certainement, parfois, les données textuelles sont plus fiables que les données archéologiques. Non, ben justement, je voulais développer cet aspect-là parce que, en fait, Sila Dagal, ça signifie la rue large, voilà, ici là, c'est la rue, donc ça, à partir du sumérien, le sens de place ne sont pas évidents, mais il n'existe pas effectivement de terme pour place. Donc, ça tient sûrement plutôt à l'acadien qui, lui, en fait, est plus riche sur cette notion qu'il associe Sila Dagal à Ribitum. Et alors le problème, c'est que de même, en fait, finalement, quand on regarde bien, Ribitum est difficile à traduire. Si on accepte cette traduction de grand place, qui est peut-être de place publique, qui est peut-être le terme le plus problématique, parce que le terme la traduction par grande rue, ça semble clair. Le sumérien est aussi ambigu. On ne sait pas si c'est un pluriel ou un singulier, entre parenthèses. Alors, est-ce que les animaux circulent sur... Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que le texte sous-entend qu'il n'y a qu'une seule grande rue? Bon, bref. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça signifie au moins la grande rue. Pour la grande place, c'est franchement incertain. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que à l'époque, au début du deuxième millénaire, le terme de Ribitum, c'est pas vu dans les dictionnaires, signifie capitale. C'est-à-dire que ça signifie la grande rue, peut-être la place publique, mais la capitale. Un exemple magnifique, c'est Uruk, qui est désigné comme Uruk Ribitum, et qu'on parfois on traduit par Uruk la grande rue, mais en fait on peut traduire par Uruk la capitale, parce que ce thème est bien connu à Marie. Alors évidemment, la capitale quand même se caractérise comme un lieu d'artère. Enfin, c'est le lieu où il y a cette grande rue où tout le trafic se concentre. Car, non, c'est une partie de la ville, c'est le port, c'est la zone portuaire. Donc. Parce qu'en fait, le terme est beaucoup utilisé dans les sources assyriennes. Oui, car, tout à fait. Oui, c'est une notion. C'est plutôt le port. C'est le port, oui. C'est pas la ville. Alors, c'est la partie pour le tout, ou c'est la partie d'où est partie, c'est la partie peut-être fondamentale de ces villes qui sont portuaires, mais le terme de car désigne tout d'abord la structure où amarrent les bateaux, précisément, c'est ce que dit le poème, et puis ça désigne aussi le quartier marchand, et l'exemple le plus célèbre, c'est évidemment le carôme de Canèche, mais là, qui n'est pas en connexion avec la mer, enfin, ou le trafic fluvial. Voilà, donc, mais c'est une dérivation du monde de Sumer. Oui.
Oui. Premièrement, ça va de soi que c'est pas du tout Akkad qui est représenté dans la lamentation sur Akkad. Premièrement, ça se passe à Akkad, c'est la description d'Akkad, mais manifestement l'auteur ne sait rien sur Akkad. Donc ça, c'est la première chose. Tel que je le comprends, comme je le vois en fait en relation avec, enfin le terme en relation avec l'arrivée des marchandises. Donc c'est le contexte et la muraille. Donc dans le passage, manifestement, c'est lié à la muraille. Par conséquent, j'ai l'impression que c'est la muraille, non pas de la ville sainte ou du sanctuaire, mais je penserais plutôt à la ville, à la muraille de la ville. Donc, mais est-ce que tu peux préciser ta question, parce que comme tu en sais certainement plus que moi sur le sujet. Ah. Ah, effectivement. Là, le problème, c'est une métaphore. Voilà. Donc, moi, c'est aussi Jean-Claude Narogan qui dit qu'à Larsa, voilà, il y a le fleuve, il y a un canal qui passe, un magnifique canal qui passe avec. Il a étudié l'aménagement. Oui, c'est une métaphore. Donc le seul problème. Donc c'est comme c'est une image, j'ai pensé que c'est l'image évidemment de la largeur et non pas l'idée. Mais c'est pas incompatible d'ailleurs. Bon. Mais c'est bizarre comme la grande porte. Tu veux dire la grande porte serait le lieu où passe l'eau. C'est ça que tu veux dire. Je pose la question de. Dans ouais. Les sorties, vu qu'il y a une certaine obsession sur l'arrivée massive de produits par la voie d'eau, ouais. Je me suis toujours posé la question. Ouais. Tout à fait. C'est vrai, mais en même temps, le texte dit que le car, le quai est à l'extérieur. Oui, mais alors la question qu'on peut poser, je vous pose aussi pour Marie, c'est est-ce que la grande porte ou la porte qui donne, c'est la porte qui donne sur le quai, ouais. Parce que le quai est nécessairement ouais. À l'extérieur. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je ne crois pas, par exemple, à la version à Paris d'un canal qui rentre dans la ville intérieure. Oui. Ça me paraît un peu donc il faut chercher une. Oui, oui. Non, c'est très intéressant. Oui. Mais justement, là, tu reconstitues un itinéraire qui est l'arrivée des marchandises au quai. Elle passe par la grande porte qui, effectivement, est quand même en relation avec l'idée du trafic. Ça semble clair. Et ça va sur la grande rue. Et ça, évidemment, c'est certainement destiné soit vers le sanctuaire, soit vers l'édifice royal, et on traverse la ville. C'est le moment où voilà, tout le peuple participe à cette prospérité qui, quand même, est quand même dirigée vers le sanctuaire, vers un centre. Ah, moi, ça me semble. Mais. Là, je pense que là, c'est plus toi, mais c'est plus l'archéologue, enfin le terrain qui peut, et puis le spécialiste qui peut répondre à cette question. Parce que j'ai cru comprendre que c'est pas évident à Larsa, en tout cas pour la question du fleuve qui passe dans la ville. C'est pardon. Hein, tu penses que tu d'accord. Bon.